Bonjour, SAT est heureux de vous présenter son film vous expliquant la mise en place correcte de votre gilet balistique. En premier lieu, vérifiez le bon placement de la protection balistique dans sa housse textile. Pour ce faire, il vous suffit de contrôler que l'étiquette présente sur la protection balistique avec la mention côté corps se trouve face à vous lorsque vous aurez ouvert la housse textile. Cette opération de contrôle est à effectuer pour les parties avant et arrière de votre gilet balistique. Pour un positionnement correct de votre gilet, veuillez tout d'abord l'enfiler par la tête. Puis fixez-le contre votre corps au moyen des deux bandes velcro élastiques se trouvant de part et d'autre de votre gilet. Maintenant, votre protection balistique doit être correctement placée en hauteur. Pour ce faire, vous devez vérifier que le haut de votre gilet se trouve à plus ou moins 3 cm en dessous de la jonction des clavicules et que le bas de votre gilet se trouve à hauteur de votre nombril. Si ce n'est le cas, réglez votre gilet en hauteur au moyen des deux bandes velcro élastiques présentes sur les épaules. Répétez ces différentes manipulations jusqu'au bon positionnement de votre gilet balistique. Veuillez effectuer une dernière vérification en réalisant les actions de marcher, courir, bouger vos bras, s'asseoir, afin de s'assurer du bon placement de votre gilet. Il sera bien placé si vous ne sentez aucune gêne lors de ces différentes actions. SAT tient à vous remercier pour la confiance que vous lui faites. Au revoir.